Alors dans cette vidéo, je vais te demander deux choses. La première chose, ça va être d'observer chacune des figures qui est ici et, et dans chaque cas de me dire quelle est la fraction de, de cette figure qui a été coloriée en rouge. Ça c'est une première chose. Et ensuite, je voudrais que tu places sur la droite graduée ces fractions que tu auras déterminées ici. Alors mets la vidéo sur pause et puis vas-y, on verra ça ensemble ensuite. Alors on va commencer d'abord par regarder cette première figure. Donc c'est un disque qui ici a été découpé en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et en fait, j'ai une de ces parties qui est coloriée en rouge. Donc ici, la fraction du disque qui est coloriée en rouge, c'est 1 sur 5. Bien, 1 cinquième. Dans le deuxième cas, le disque a été découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Et j'en ai 2 qui sont coloriées en rouge. Donc la fraction qui représente cette partie rouge, eh c'est 2 sur 10, ou bien 2 dixièmes. Dans le troisième cas, c'est pareil en fait, parce que le disque a aussi été découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Et j'en ai deux, encore une fois, ce n'est pas les mêmes, mais j'en ai quand même deux qui sont coloriés en rouge. Donc la fraction coloriée en rouge, c'est 2 sur 10, 2 dixièmes, dans ce cas ici aussi. Alors maintenant, on va essayer de placer cette fraction sur la droite numérique. Alors pour ça, j'ai pris une grille, hein, ça sera plus facile de travailler proprement. Et ce que je vais faire, c'est représenter ici le segment de la droite graduée entre 0 et 1. Donc ici, c'est le 0. Je vais mettre le 0 ici. Et puis comme pour représenter ces fractions, je vais devoir couper ce segment en 10 parties, je vais prendre 10 carreaux. Hein. 2, 4, 6, 8. 10 carreaux. Ici, ça va être le nombre 1. Voilà. Alors maintenant, je vais représenter cette, cette première fraction, 1/5. Donc, pour la représenter, il faut que je découpe mon segment unité, hein, ce segment-là, en 5 parties égales. Alors, je vais le faire. Je vais prendre une partie ici, deux, une deuxième partie là, une troisième, une quatrième, et puis une cinquième. Donc là, j'ai effectivement 5 parties égales. Hein, tu vois, j'ai deux carreaux à chaque fois. Et si je veux placer la fraction 1 cinquième sur cette droite numérique, sur cette droite graduée, eh bien je vais devoir prendre une partie sur ces 5. Donc je pars de 0 et je prends une partie sur ces 5, j'arrive ici. Voilà. Donc ce point-là, de la droite graduée, représente la fraction 1 sur 5. Alors maintenant je vais retracer une droite numérique, la même mais au-dessus. Donc je vais la faire ici pour représenter les autres fractions. Voilà, donc ici je mets le 0 et ici je mets le 1. Voilà, donc c'est exactement la même qu'en bas. Et là pour représenter la fraction 2 dixièmes, eh bien, il faut que je découpe ce segment en 10 parties égales. Donc je vais le faire comme ça, là j'ai une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties, 7 parties, 8 parties, 9 parties et 10 parties. Maintenant la fraction 2 sur 10... Elle correspond à prendre deux de ces parties. Donc si je pars de 0, que je prends déjà une partie, j'arrive là, ça c'est un dixième en fait, hein, c'est la fraction 1 sur 10, une partie sur 10, et là, je prends une deuxième partie et j'arrive sur ce nombre-là, qui est la fraction 2 sur 10. Et là, si on compare ce qu'on a fait sur les deux droites graduées, en fait si je prends une partie sur 5 ou deux parties sur 10, j'arrive au même point. Hein j'arrive au même point qu'est ce, ce, ce point-là. Alors là tu te dis peut-être que si ces deux points-là ont la même abscisse, ben c'est qu'effectivement ils doivent représenter les mêmes nombres. Et si tu te dis ça, eh bien tu as parfaitement compris, c'est exactement ça en fait. Ces deux points ont la même abscisse, ils représentent donc les mêmes nombres, ce qui veut dire que la fraction 1 cinquième est égale à la fraction 2 sur 10. Et en fait, si on retourne vers les disques, effectivement, on peut s'en rendre compte aussi assez facilement, puisque ici j'ai découpé le disque en cinq parties. Mais si je découpe chaque partie en deux parties égales, si je découpe cette partie-là en deux parties, voilà comme ça à peu près, celle-ci en deux parties aussi, celle-ci en deux parties aussi, celle-ci en deux parties aussi, et puis enfin la dernière, je la coupe en deux parties aussi. Et tu vois que là, forcément, j'ai 10 parties, puisque j'en avais 5 et que, et que je les ai découpées chacune en deux. En tout, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et maintenant, au lieu d'avoir une seule partie qui est coloriée en rouge, j'en ai deux, puisque la partie que j'avais coloriée en rouge, je l'ai aussi découpée en deux. Donc là, regarde bien, hein, je n'ai rien changé à la partie rouge, hein, je n'ai pas rajouté de rouge ou enlevé de rouge, je n'ai rien changé, j'ai juste découpé toutes les parties en deux. Donc la partie rouge n'a pas changé. Mais simplement ici, je l'exprime différemment. Et au lieu de dire qu'une partie sur 5 est coloriée en rouge, je vais dire que deux parties sur 10 sont coloriées en rouge. Et on voit qu'en fait, on obtient exactement la même figure qu'ici, hein, dans ce cercle-là. Et dans ce cercle-là, c'est peut-être un petit peu plus délicat à voir. Mais tu vois ici, on a quand même colorié deux parties en rouge. Mais tu peux imaginer assez facilement que si on avait colorié non pas ces deux-là, mais ces deux-là en rouge, on retrouve exactement la même figure qu'ici et là. Et donc on voit bien que ça, c'est toujours la même fraction 2 sur 10. Donc tu vois, c'est tout à fait normal que ces deux fractions 1 cinquième et 2 dixièmes représentent le même point sur la, sur la droite graduée, puisque ce sont effectivement les mêmes nombres. Donc 2 dixièmes est égal à 1 cinquième. 1 cinquième.